Le régulateur de croissance contrôlée pour les enfants à partir de 3 ans, en général de 3 ans jusqu'à 9 ou 10 ans, c'est un appareil qui se fixe sur le palais. On pourrait ressembler à ces vieux appareils orthodontiques, mais c'est un appareil où on a intégré à l'intérieur de la modernité, des nouveaux concepts pour améliorer la croissance du visage, la croissance du palais de l'enfant. Mais en même temps que vous améliorez la croissance du palais, on améliore la respiration, on améliore la déglutition, on améliore la pronation. Toutes les fonctions qui s'exercent par les mâchoires, la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, vont être améliorées pour s'exprimer au maximum. Alors bien sûr, on l'a fait que sur le haut, parce qu'on veut en même temps qu'on améliore les choses, ne pas modifier la génétique des parents, et en fait donner le maximum du potentiel sans le perturber. Alors pour fabriquer cet appareil, c'est simple. On utilise des caméras 3D qui vont reproduire le palais de l'enfant. À partir de ces caméras 3D, on va utiliser une imprimante 3D qui va permettre de reconstituer le modèle positif de l'enfant. Et après, nos prothésistes de notre laboratoire Beyond Smile vont fabriquer cet appareil en fonction du programme informatique qui a été conçu spécialement pour votre enfant pour étudier son visage, sa face, sa radiographie. On va intégrer toutes ces données dans un logiciel qui vont permettre la fabrication de cet appareil qui est vraiment un appareil haute technologie. Alors l'appareil, il est confortable, il est sans douleur, il faut juste le mettre en bouche. Pour nos traitements, les enfants mangent avec et ils n'enlèvent que pour se brosser les dents. Donc vous n'avez pas la contrainte de devoir l'enlever et le remettre. Une fois qu'il a été posé, 4-5 jours d'adaptation et après on fait tout avec, ce qui permet un meilleur résultat, un meilleur traitement. Il doit s'intégrer au corps de l'enfant et fonctionner avec lui pour le permettre de mieux fonctionner. Tout ça pour une période parfois de 6 mois, 1 an ou 1 an et demi. C'est vraiment une première étape du traitement pour améliorer le contexte parce que, bien évidemment, les dents qui sont décalées, bien souvent ce n'est pas la cause. La cause est plus profonde et quoi de plus beau que de traiter la cause d'une problématique pour que les dents évoluent naturellement plutôt qu'attendre et devoir essayer de tirer pour replacer. Donc vraiment traiter la cause, c'est l'évolution de la médecine, c'est l'évolution de l'orthodontie. Et après, quand c'est fini, on regarde, on contrôle la stabilité, on continue à donner des conseils à l'enfant pour améliorer la croissance de son visage et de ses fonctions qui s'exercent au niveau de celui-ci.